Et salut, c'est Multigamer, aujourd'hui on se retrouve pour la 8ème partie, normalement c'est bien la 8ème, hein, de notre guide comment avoir un perso full force. Donc du coup on s'était arrêté ici avec ce coucher de soleil ma foi sympathique. Tirer le cap quand même, hein. Parce que même moi j'en ai besoin là. Donc pour la partie précédente on avait terrassé le dragon du magma. On avait aussi indiqué sur la carte des nouvelles emplacements de tombes, hein, vous savez, pour récupérer des runes. Il y a quand même pas mal dans le jeu, hein. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je crois qu'il y en avait un là quelque part, mais j'ai pas pu l'assigner parce que j'étais aggro à cause des ennemis. Donc, comme il y avait dit 6. 7, 8, ouais, peut-être une douzaine peut-être dans le jeu en tout. C'est quand même monstrueux quand même. Faut bien l'avouer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette huitième partie? De toute façon, je crois qu'ici on avait tout fait, je crois. On n'a pas exploré forcément cette zone là. Mais c'est vrai qu'on pourrait continuer ce niveau. Peut-être qu'on va continuer parce qu'il y a... Vous savez, on rencontre encore une fois Birgit. Et il pourrait nous donner, comme il drop le talisman, je crois, qui augmente l'endurance. Ça serait pas déconnant. Et je crois qu'ici, là-bas, il y a un donjon ou un truc comme ça. Donc on va aller peut-être le faire. Voilà. Aïe! Ouh! Monsieur, il a les yeux... Comme ça, parce que ça veut dire qu'il nous manque... Oula, il va se calmer, hein. Ok, monsieur me troll, très bien. Alors. Oui, parce qu'en fait, quand les ennemis ont leurs yeux dorés, comme ça, c'est que quand vous les tuez, ils dropent beaucoup plus de... Enfin, ils dropent plus, non, ils donnent un peu plus de runes. Après, ça dépend des ennemis, hein, forcément. Donc, ah mais t'es là-bas, il y a un scalabée qui fait mumuse avec son caca. Ah oui, ok, c'est celui-là, ouais. De toute façon, ça nous intéresse pas. Finalement, j'avais un petit peu exploré la zone ici, mais... Enfin, pas avec ce perso-là. Ah si, vous voyez, il y a bien un donjon ici, hein. Ouais. Ah, mais je crois qu'il faut des clés. Et lui, je l'avais pas fait, hein. Je l'avais pas fait avec mon perso, parce qu'il me fallait des clés. Ah, ben c'est bon, là, les deux. Ah, ben c'est bon, les gars. Bon, et comme d'hab, vous connaissez la chanson. Pour ça, je me répète plus, mais... Des petits rappels, par moment, c'est important. Hein. Voilà, tais-toi. Aïe. Et puis comme d'hab, hein, vous savez, je vais pas non plus passer mon temps à blablater pendant 1h30 ou 1h40. Hein. Ça serait des vidéos de 15 minutes, pourquoi pas, mais bon, comme je joue à chaque fois assez longtemps. Et ça tombe bien parce que ce donjon, je l'ai jamais fait, donc ça tombe bien. Après, je sais pas si on a le niveau. Je sais pas si on a le skill pour aller au bout de ce donjon, mais on va essayer. Bon, je crois ici, il y a 2-3 conneries à choper. Ah, bonjour, monsieur. Alors, lui, il faut faire super gaffe. Voilà, on va reculer avant de se faire. Vous avez compris. Ah, ils font mal quand même. Ah, j'ai vu sa tenue. Hein. Est-ce que c'est mieux que... Ouais. Là, il y a un coffre à la Dark Souls 3 ici, c'est vrai. Ah.
Allez, go le donjon. Du coup, qu'est-ce que... Ah, c'est vrai qu'on peut pas, parce que je suis toujours en... Un mode aggro, donc comme d'hab, j'espère que vous entendiez pas le PC, hein. Même si c'est compliqué. Après, il est quand même assez loin du... Du bordel, mais... Ouais, il est en feu de ici, ouais. Allez, go, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, ça, on peut garder. Ça aussi, ça... Ouais. On verra qu'est-ce qu'on gagne ici. Alors, on va se mettre... La loupiote. Je me vois un petit coup d'eau. Et on est parti. Alors j'ai pensé à un truc. Ce qui serait mieux. Voilà, c'est de mettre le l'arc ici. Comme ça, j'ai toujours le bouclier. Oula. Ah bah, c'est quoi? Voilà. Là, il faut pas hésiter à appuyer sur le joystick. Hein. Parce que les ennemis qu'on voit pas, le lock lui il voit. Ok, donc c'est des ennemis comme ça dans les donjons du coup. Qu'est-ce que tu dis? Un traître en vue. Voilà, ça c'est un gros. Attention qu'il y a les pommes qui se cachent juste derrière, hein, parce qu'ils aiment ça. Hein. Il y a des petits pièges là. Allez. Bon, je connais pas ce donjon, hein. Je le répète. Hein. Lui, on va faire un petit truc. Merde, je crois qu'il m'a vu. Ok. Ça, c'est fait. Qu'est-ce que... Dans mon arme, elle est en plus 12, hein, j'avais oublié. Et elle tape à 411, ouais, c'est quand même pas mal. Bon déjà, tant qu'il n'y a pas les ennemis relous, là, les petits trucs de pierre, là. Comment ils s'appellent, les glotins ou je sais pas quoi, là. Alors, lui. Ok. Ouh! Ok. Ok, ici apparemment c'est bon. Ah non, c'était un chien, ok. Ah, j'ai bien fait de terrasser le gros avant. Oula. Ok, tout ça c'est dans... Ouais, ok. Ah
Ok, il y en a deux ici, trois. Ah, mais celle-ci. Ah non, ok. Ok, alors est-ce qu'il y en a un autre là qui se cache? A priori non. Oh, cool! Excusez-moi, je commence à retousser. Ah, le levier ici. Oula, qu'est-ce que c'est ce truc? Ah, c'est les... Non, on va pas se gêner alors. Allez, il est ici. Ah non, non, non monsieur. Non, non, vous êtes trompé de chemin monsieur, il fallait en bas. Non, en bas, en bas. Voilà, et ce truc à la con qui te fait chier la vie. Ok. 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 Putain, c'était chaud. Hein. Ah, ça, c'est vraiment une connerie, ce truc là qui dit la porte est ouverte. Ok, la porte est ouverte, je sais, mais pourquoi tu me bloques? Ah, From Software, ils aiment bien nous troller, ils aiment bien. Unique. Qu'est-ce que tu dis, toi? Ok, donc la suite, ça serait là. Attendez. Hein. Parce que du coup, ça amène où ça? Ah, ça mène ici, ok. Ah, du coup, c'est pas à côté, du coup, pour... Ah ouais. Bon, nous, c'est que du coup, on a plus de magie, là. Ah, si. Let's go! Bon, j'espère que le boss est pas trop dur. Ah! Bon, on va d'abord s'occuper de ma chaîne, là. Ah, putain, il m'a eu. Ok. Bon, il a vengé son frère de la dernière fois. Bon, mais let's go alors. Ah putain, enfoiré. Ah putain, ces dégâts. Putain.
Ouais, faut pas hésiter là. Faut pas hésiter. Faut pas hésiter. Faut pas hésiter là. Putain, il veut pas me lâcher lui. Je suis encore. Alors. Ça c'est quoi? Électrique. Parfait. On se prend ça. On se prend ça. Ça, ça nous permet d'encaisser un petit coup. Ah non. Vas-y, là c'est bon, ça va le faire. On respire, on respire. Tout va bien. Non, mais putain, mais pourquoi l'attaque sautée n'est pas passée? Voilà. Eh putain, surtout pour avoir ça, quoi. Super. Bon. Ça retourne dans cet endroit de malheur, là. Ouais, donc du coup, je sais pas si si on continue réellement là, ou si on fait pas notre truc avant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avant, en vrai? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Parce que cette zone, il y a encore le lion avec le cheval des crocettes, et là, c'est bon. J'ai eu ma dose. Donc, on pourrait faire... On pourrait faire... Non, écoutez, on va continuer là. Bon, on est parti, allez. On y reste. Allez, c'est parti. Faut juste faire gaffe au dragon là qui va pop. Oh, t'es là toi? Ah ouais. Là, je crois que c'est juste... Ah, allez, go. On trace, on trace. Ok. Voilà. Qu'on a quoi? 9, parfait. Allez, on va se faire le boss qui est juste au-dessus. Peut-être qu'on va s'équiper de ça là. Voilà. Et on est parti. De rattraper nos armes qu'on a commis de perdre. Putain, sérieux.
Aïe. Je crois qu'il a bugué là. Ok, lui c'est passé. C'est passé easy, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait zizir. Allez, nickel. Nickel, nickel. Alors, je crois que là-bas, il y a encore des trucs à choper. Ça c'est pas mal ça. Ça c'est peut-être mieux d'ailleurs. Ce qu'on vient de choper là. Bon, ça consommera un peu plus de flèches mais... Ça c'est bien. Alors, par contre, il faut des couteaux là. Prendre, je n'en ai plus. Je n'en ai plus. J'aille en acheter. Non. C'est pas facile ça à juger le coup final de cette attaque. C'est pas si simple. C'est bien aussi. Alors voyons. Ah, ça consomme un peu moins, donc c'est peut-être un peu moins puissant du coup. Écoute, on verra. Allez, c'est parti. On va juste légèrement explorer cette zone. Je crois qu'ici, il y a un truc à choper, là. Voilà, voilà. Je sens bien que c'était ça. Mais par contre, je sais plus s'il en fallait un ou deux. Bon, dans tous les cas, j'en aurais plus qu'un à acheter chez la marchande. Attends, je vais voir si on peut ouvrir la porte. On va laisser tout seul, hein, en train de s'exciter sur la porte. Hein.
Laissons-le. Ah, il y a un PNJ qui nous traite d'imbécile ou je sais pas quoi, là. Mais... jamais ils ne me retrouveront. C'est peut-être un truc comme ça. Hein. Est-ce que j'ai récupéré? À quoi on se transforme quand on fait ça là? Ouais. Voyons. Ah ouais. Bon, ok. On viendra plus tard ici. Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré là? Ouais, ok. Là, ouais. Ah, du coup, tu es là. Ok. Brave Tan, I am Tanith. Raya spoke well. A warrior, or perhaps you are prepared. Will you join us? Why accept the prize with us? Interesting. Now you believe the drawing, but be sure. The drawer used the key. Name a volcano. I hope you und well, but know that before you can this before you can
This blasphemous path leads only to a pitiful death. Before you can. Allez, on va explorer vite fait le haut là. Ah, quand même, je me disais, c'est bizarre. Alors lui, attention. Ah, putain. Oula. Il est aussi chiant que le boss, lui. Après, comme d'hab, faut pas hésiter à faire les coups des stocks. Deux coups, il peut me tuer. Moi, je dois mettre 6 coups. Ok. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire ici en soi? Pas grand-chose. On va plutôt revenir en arrière un petit peu. C'était juste pour débloquer cette zone. Là-bas, il y a un ennemi assez, assez vénère. Chose. Ah, c'est vrai qu'ici il y a un truc pour afficher la carte. C'est vrai, c'est vrai. Bon, on fera ça plus tard. On va revenir ici. Alors, c'était où déjà? Voilà. Yes. Je sais plus ce qu'il donne lui. Oula. Oh putain, la fois quand il m'a touché en vol, en pleine course. Ah, du coup, les a, il s'est barré. Par contre, ça fait du poison mon truc. Ok. C'est bon, le jeu t'as fini? Ok, il a fini. Okay, là, il y a un géant, mais... Voilà, ça c'est fait. Ah oui, ok, ça je vois ce que c'est. C'est une mine à faire. J'aimerais juste débloquer la carte en fait. Ah, il y a deux gros crabes ici. Et non. Déjà que un gros c'est chiant, alors deux. Hein. Pitié quoi. Pitié, pitié. On va juste passer par là parce qu'ici il y a un feu à débloquer. Et je crois qu'il y a une ou deux graines à récupérer.
Y'a pas un feu ici normalement? Bah. Mais si, y'a un feu ici, oui, c'est là. Et normalement ici, y'a un truc pour débloquer la carte. Il y a un marchand ici. What? Pourquoi il dit qu'il y a quelque chose, il n'y a rien ici. Bizarre ça. Allez, on va juste débloquer la carte. C'est bizarre hein, ce qu'il me dit qu'il y a. Bok le. Mais il y est pas. Je veux bien, hein, mais. Là. Bok the Seamster, are you ready to make adjustment? Oh, go there, please. Mm-hmm. Mais du coup, lui, il sert à rien en vrai, parce qu'on peut déjà le faire ça par nous-mêmes. Bah ouais. Il sert à quoi, sérieux? Je comprends pas le. À part qu'il y ait une quête avec lui. C'est assez bizarre ça. Allez, là on va tracer. On va peut-être passer par là d'abord parce que là c'est quand même, assez tendu là ici. Voilà, il faut vraiment tracer. Faut vraiment avoir le temps parce qu'à chaque fois ils font leur truc. Hein. Oh mais non, babou défoncé. Ok. Et voilà. Et là, on a combien de graines? 4 là. C'est pas le fait pour nous. Alors, fiole, tennis. Et nous sommes à 10. Et. Alors. Ouais, donc, ça, c'est la mine qu'on a vue tout à l'heure.
On va retourner à la forge vite fait. Ok, alors. Ah, cool. On peut améliorer. Yes. Yes. Ah. Et j'ai mon jeu qui a crash. Ouais. Voilà. Vous connaissez la chanson. Le jeu s'est mis sur le côté. Du coup, ça a fait crash OBS. On commence à avoir l'habitude. Donc là, je pense qu'on est parti encore pour aller une quarantaine de minutes. Donc, ça fera à peu près entre 1h35 et 1h40 de vidéo. J'ai juste ouvert un truc avec madame. Et je peux t'acheter une clé. Ouais, du coup, je vais la prendre. Ça, ça me permettra de faire la mine, là. Et... on est parti du coup pour récupérer le talisman qui augmentera l'endurance. Ça sera quand même plutôt pas mal. Et voilà. Donc, la suite se fait ici. Et là, on va prendre le canasson et on va galoper. C'est bizarre parce qu'à chaque fois que je... pop, j'ai cette petite barre de... de mal mort qui apparaît, c'est bizarre. Et là, je crois qu'il y a encore des graines à récupérer. De toute façon, là, le jeu, il te dit clairement, là, mec, il faut que tu sois prêt, quoi. Il y en a encore deux à choper. Et par contre, ici, il n'y a pas de feu. Par contre, ouais. Ça va, c'est Ah ouais. J'étais à une main. Ah d'accord. Je pensais que j'allais pouvoir... dis donc, cette partie, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Dans le trou. Ouais, bien joué ça. Bien joué ça. On va recrever 10 secondes après.
Mais putain, mais pourquoi c'est pas passé? Oh putain. C'est ouf. Hein. Super mal. Voilà. Alors. Yes. Allez, on va allumer le feu. Combien là? Deux? Ouais. Ce qu'on va faire peut-être, c'est qu'on va peut-être faire le... Ou déjà, si je crois, on va faire la mine là. Moi, je crois que le bain c'est pas très dur. Ah, c'est ça. Ouais. Alors attention parce qu'il peut rentrer. Hein. À part qu'ils aient corrigé ça. Apparemment, ouais. Ah, il faut mal quand même. Moi aussi, mais eux aussi.
Pas des chiens ici, ouais. Ça c'est pas mal. C'est un enculé. C'est à moi. Ouais, bien sûr. Le mec qui a eu le temps de me toucher, ouais. Je te crois. Attendez. Hein, je m'en fous. Est-ce que j'ai des bombes hein? Ouais. Ah putain. Dommage. Ça y est ? Je peux me fabriquer des flèches. Ouais. Ouais, bon, ça, c'est pas terrible. Ça, c'est quoi? Pour endormir ça, ouais, je crois. Ah, ça c'est du bien joué. Oh, ça peut être un peu moins. Ouf, c'est chaud. Ah là c'est le boss, ok. Je suis où là? Je suis où là? Je suis où? Je suis paumé. Je suis paumé. Yeah.
Moi je devrais avoir assez du coup pour remettre un petit coup en amélioration là, pour l'arbre. Bon, du coup direction le boss. Hein. J'espère qu'il est pas trop hardcore. C'est plus que c'est. Je crois que c'est les deux nanas là. Donc, je crois qu'on va se foutre une évoque. Ça fera toujours un truc qui aggro un peu. On va se mettre. Sans lui, j'ai pas assez. C'est quoi bien? Quand j'ai 84. Ah si, c'est bon là, j'ai assez avec ça. Bon, ça j'ai pas assez par contre. Ça c'est 122, j'aurais pas assez. 37. Ouais. On va se prendre les gobelins. Ça marche plutôt bien les gobelins. Ah non, c'est ça. Oh, ah non, il est horrible ce truc. Ah ouais, j'avais galéré avec le badou. Ah, ça va les dégâts. Passé. Ouais, mais c'était juste pour son arme. Pas hyper intéressant. Bon, bah du coup, on va revenir à la forge. Ah ouais, on est là. Bah attendez. Ah non, mais je me suis trompé de mine en fait. Ah non, non, je me suis trompé de mine. Ok. Je me disais, c'est bizarre. Je me disais bien, c'était étrange. Allez, de toute façon, on va couper la 8ème partie ici. Les gars. Yes, plus 15. Ah, du coup, il faut de la 6, du coup. C'est bien, ça, c'est bien. On va juste se mettre des petits niveaux. Et puis, on va couper ici. Alors. On a combien en force là? 36. Ça serait bien d'avoir 40, comme ça après on mettra sur de la vie du coup, pour de la vie, la prochaine fois. Putain, j'ai pas assez pour 40 encore. Bon, vous savez quoi, tant pis, je vais utiliser une âme de boss. Ça me fait chier, mais au moins celle de Godric. Ouais. Bon, je devrais avoir assez. J'aimerais bien avoir 40 en force, comme ça on franchit un palier sur la stat force. Voilà, 40. Prochain coup, on mettra 25 en vie, 25 en endurance, 20 en esprit, ça serait bien. Et après, on carbure la force. Et après, la vie. Voilà, là on est pas mal.
Là, on est vraiment pas mal du tout. On a toujours le B en bonus en force, mais ça, je pense que ça va peut-être changer. Enfin, quand notre arme sera à 25, peut-être. Je sais pas. On verra. Ça sera la surprise. Du coup, on tape à 402. Ouais. Allez, on s'arrête ici du coup pour la 8ème partie. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et surtout. Ciao.